Alors c'est vrai que c'est un défi, mais ce qui m'a très vite séduit, c'est que c'était une femme qu'on croit extrêmement connue. Et finalement, il y a encore énormément de choses à apprendre, en particulier sur la vie de Jackie Kennedy, après les années Kennedy, et même après la mort de son second mari, Onassis. Donc c'était d'insister, de mettre en valeur cette partie de sa vie, qui est quand même assez longue, hein, puisque son second mari meurt en 1975, il lui reste 20 ans à vivre. Et donc d'avoir cet angle d'approche qui permettait un peu de renouveler ce qu'on savait, d'avoir une grille de lecture, notamment autour de la question de qu'est-ce qu'être une femme dans ces années qui vont de la fin des années 1920 au milieu des années 1990. Donc c'était ça de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'original sur Jackie Kennedy? Et là, pour le coup, j'avais trouvé que le format court était beaucoup plus intéressant qu'une biographie en 800 000 signes, où finalement on tombe dans l'écueil de redire ce qui a un peu été dit ailleurs. Oui, alors moi je la trouve intéressante parce que c'est la vie d'une femme qui a élevé ses enfants, qui est en train de se demander de ce qu'elle va faire de sa vie, et qui finalement capitalise au sens noble du terme sur ses études. Hein. C'est quelqu'un qui est allé à l'université, qui a fait un séjour à la Sorbonne dans les années 50, ce qui est quand même assez exceptionnel pour l'époque, et qui va mettre ce savoir qu'elle a acquis au savoir d'une vie professionnelle propre, puisqu'elle va se lancer dans le monde de l'édition, publier de nombreux livres, hein, qui sont plutôt des livres d'art, de très beaux livres. Et elle va mettre aussi sa notoriété au service de grandes causes, notamment la conservation du patrimoine. Donc en fait, d'une certaine manière, elle se réinvente à partir de ces années 1970, surtout années 80, début des années 90, et elle devient une personnalité en soi. C'est-à-dire, on est intéressé par Jackie Kennedy parce qu'elle est Jackie et pas uniquement parce qu'elle est une veuve. Donc c'est assez remarquable, hein, de toute cette génération de femmes qui ont fait des études, qui trouvent que la vie d'épouse est un peu ennuyeuse malgré tout, et qui vont passer la cinquantaine, se réinventer par une vie professionnelle. Bah, je trouve que finalement, elle nous dit les évolutions de la place de la femme. Hein. Elle commence jeune fille de la très bonne société, dont on attend une seule chose, qu'elle se marie bien. Donc elle suit ceci, elle est une épouse, elle est une mère, et puis on voit, hein, dans ces années 60 qu'elle commence à se libérer. Hein. Moi, j'ai pas mal de pages et ça m'a intéressée sur le corps de Jackie, comment elle s'habille, l'évolution vestimentaire. Et on voit bien qu'elle est partie prenante de cette évolution des années 60 et 70 de libération de la femme, où finalement, elle n'est pas en première ligne, hein, c'est pas une féministe, mais par ses actes du quotidien, finalement, par ses choix personnels, elle va être très influencée par l'époque dans laquelle elle vit. Et elle en est très révélatrice finalement. Donc j'ai trouvé que c'était ce dialogue entre une vie très atypique, parce que finalement elle reste une femme de la très haute société, une veuve de président, et en même temps ce destin qu'elle partage avec de très nombreuses femmes américaines qui se disent, ben, j'ai peut-être quelque chose à apporter à la société, j'ai des choses à dire à titre personnel, j'existe. Moi je trouve qu'il y a un très bel exemple, c'est cette interview très rare, hein, qu'elle donne à la fin des années 70 à un magazine féministe. Et elle y pose une condition, elle dit: j'accepte, mais à condition qu'on ne me parle pas de deux sujets, John Kennedy, Aristote Onassis. J'ai trouvé que c'était un bon résumé de l'évolution de l'épouse discrète, finalement, à la femme américaine, hein, de ces années-là.